La gravité, c'est tout ce qui est poids et contrepoids, tout ce qui l'évite, tout ce qui en même temps nous rattache, ce à quoi on cherche à échapper, c'est-à-dire se sentir léger ou être soi-même déjà dans le poids de tout ce qui nous fait, parce qu'on est loin d'être léger, de tout ce qui nous fait depuis très longtemps, depuis la conscience. En fait, c'est une sorte de conscience, la gravité. Mais j'ai l'impression que j'ai toujours travaillé sur ce sentiment de la conscience, de l'abandon, de tout ce qui nous rattache, de tout ce à quoi on cherche à échapper, de tout ce qu'on cherche à capturer aussi de la vie, donc à se saisir de la vie. Ils vont voir de la peinture, des grands formats, des très grands formats, avec des espèces de paysages un peu cosmiques, un monde un peu à la fois souterrain, sous l'eau, à la fois à l'intérieur de soi, ces espèces de paysages intérieurs. Et un jeu de contraste entre l'ombre et la lumière. Et puis des gueules de terre, des gueules de magma, des faces magmatiques, des expressions ou pas d'expressions. C'est une sculpture qui sera sous deux formes, à la fois en verre et en bronze. Donc un corps lévitant, un corps, une espèce de corps astral comme ça, qui gravite, qui s'élève et qui cherche à s'élever en tout cas, qui cherche à perdre l'essence de sa matière. Il y a aussi de l'âme là-dedans, il y a aussi un sentiment de spiritualité.